Bentley, que se passe-t-il? Murray, il est parti chercher à manger et s'est fait prendre par l'inspecteur Fox. Carmelita? Elle, ici? T'inquiète, Bentley, je vais m'occuper d'elle. Mais je ne sais pas où elle a enfermé Murray. Je manque de données, c'est horrible. Calme-toi, Carmelita n'est pas aussi cruelle que la comtesse. Je vais la suivre discrètement. Elle finira bien par aller voir Murray tôt ou tard. Ok, c'est... C'est un bon plan. Mais ne te fais pas prendre. Je ne veux pas être tout seul encore. Plus un geste. Thank you.
passe comment? Je sais que t'as les trois, mais c'est pour ton bien, tu sais. Ça va. Merci pour le sac de haricots. Je mourrais de faim. T'inquiète pas. Une fois que j'aurai coffré tous tes amis, on s'en ira d'ici. Merci bien pour les haricots et tout, mais il me semblait que vous étiez recherché par Interpol. Je suis un flic honnête. En arrêtant le gang de Cooper, je blanchirai mon nom et prouverai que c'était un coup du sergent Nella. C'est le capitaine Nella. Il paraît qu'elle a été promue. On s'en fout. Reste là. Je vais chercher tes camarades. Murray, je suis venu te libérer. Pas de bol. Il y a trois cadenas sur ce truc et c'est l'inspecteur Fox qui a toutes les clés. Enfin, mec, tu sais bien que les poches, c'est mon dada. Elle est coriace, Sly. Si t'arrives à prendre une clé, t'as intérêt à courir vite, car Melita est aux aguets et elle s'en rendra compte. T'inquiète pas pour ça. Jurer. Caché. Tu n'es qu'un poltron. Merci, Sly.
Je commençais à avoir des courbatures enfermées dans ce truc. No problemo. C'est toujours un plaisir de fricoter avec Carmelita. Ouais, ces arbres. On se retrouve au refuge ?